Salam alaykum, salam alaykum, salam, 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 salam. Salam à vous tous. Bienvenue sur la page jeune visionnaire, votre page préférée. Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partagez au maximum le live, partagez maximum le live. Le live, le live. Partagez à la sueur de vos fronts ce live. Je vais apporter une importante précision par rapport au sujet d'hier, avant d'entamer ce sujet d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Partagez, 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 partagez le live. Au maximum de partage. Aujourd'hui, on ne va pas durer. On ne sera pas long. InshaAllah. Salam à tout le monde. Salam, salam, salam. Que la paix d'Allah soit sur vous. J'espère que le week-end s'est très bien passé. D'abord, de mon côté, je remercie le Seigneur. Voilà. Tranquillement, tranquille. On va poser sur ce sujet d'une importance capitale. Eh bien, oui, c'est ce que vous avez entendu là. C'est ce que vous avez entendu là, mesdames et messieurs. Ouais, il faut éviter les amalgames, il faut éviter l'hypocrisie, il faut éviter euh, la démagogie. Il faut être objectif. Ouais, il faut être objectif. Partager au maximum, au maximum, au maximum de partage. Maximum de partage. Ouais, c'est le sujet que vous voyez devant vous. Évidemment. Nous allons apporter euh, une importante précision par rapport au sujet d'hier. Ouais. Voilà. Je m'excuse euh, sincèrement euh, si euh, j'ai touché peut-être. Euh, gravement la sensibilité de quelqu'un parmi vous. Mais je pense que s'il faut toucher la sensibilité de quelqu'un en disant la vérité à la personne, je pense que c'est mieux que de jouer à l'hypocrisie, à ne pas toucher à la sensibilité de la personne, même s'il s'agit de dire la vérité. Mesdames et Messieurs, je ne vais pas tarder. Comme je vous ai dit de partager le live au maximum. Alors, mon thème d'aujourd'hui c'est concernant le chat Sekouba Konaté. Je ne dirais pas le tigre, le chat Sekouba Konaté. Évidemment, l'homme de la transition de 2010 a fait son retour au Barcaï. On, on annonce aussi euh, euh, Dadis Kamara le 22. Je me dis quelque part le retour de ces gens-là. Allez trouver M. Toumba Djakiti dans les géoles de, de la Guinée, c'est-à-dire la maison centrale. Et là, il y a Monsieur Kébouro, Claude Pivi, machin, 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 tous ces acteurs du, du, de l'événement du 28 septembre 2009. Est-ce qu'il y a quelque, quelque chose à craindre Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit craindre quelque chose Est-ce que le CNRD doit craindre quelque chose est-ce que l'armée guinéenne doit craindre quelque chose Je vais développer un peu plus tard là. Mais je voudrais d'abord apporter une précision très importante par rapport au sujet d'hier. Parce que, vous savez, le Guinéen aime jouer à l'hypocrisie. Moi, je ne m'inscris pas dans l'hypocrisie, je ne m'inscris pas dans la démagogie. Vous savez, quand j'ai créé cette page, jeune visionnaire, l'objectif de cette page était... Et reste toujours, demeure, euh, de rectifier, le rectifier en grande partie les pseudo communicants sur la toile qui s'étaient inscrits dans la, dans, la dans la désinformation du peuple de Guinée. Évidemment, les pseudo communicants du RPG Arc-en-Ciel c'était de leur dire que les réseaux sociaux ne sont l'apanage de personne, C'est pour tout le monde. Et que s'ils si ont eu le courage de créer des pages et de continuer de mentir au peuple, quelqu'un d'autre peut créer une page en apportant la vérité et en sensibilisant le peuple. Évidemment. Donc, en créant cette page, je n'ai consulté personne. J'ai créé cette page en solo. OK? Et. En commençant le live ou les lives sur cette page, je n'ai consulté personne. Que ce soit les éléments de ma famille ou euh, mes propres amis ou euh, euh, je ne sais pas qui d'autre encore, je n'ai consulté personne. Je me suis fait le devoir de créer cette page et de me lancer dans ce dans ce combat de sensibilisation de mon peuple, dans ce combat d'apporter mon petit grain de sel à la construction de l'édifice guidéen. Alors, et quand j'ai créé la page, que j'ai commencé à parler, j'ai eu des abonnés, des personnes que je ne connaissais pas, des personnes que je ne connaissais pas, des personnes qui se sont inscrites dans la même logique que moi. Donc, il y en a qui ont commencé à me contacter, à m'écrire. Et le plus souvent, on me fait le reproche. En me disant mais Monsieur Kanté pourquoi la plupart de vos abonnés les 85% de vos abonnés c'est des personnes issues d'une seule communauté je dis je vous je vous repose la question la question vous revient vous qui me posez la question de savoir pourquoi la plupart les 85% ou les 90% de mes abonnés sont issus d'une seule communauté vous qui me posez la question de savoir est-ce que vous me connaissiez avant que je ne crée cette page est-ce que vous me connaissiez est-ce que vous aviez mon contact avant la création de cette page Évidemment, la réponse est négative. Alors, vous m'avez découvert en même temps que ces personnes issues de cette même communauté, parce que vous êtes dans le communautarisme. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Ma page est une page publique, ce n'est pas une page personnelle. Si c'était une page personnelle, je serais pas là devant vous. J'ai un compte personnel, un compte privé de Facebook, qui n'a rien à voir avec la page jeune visionnaire. La page jeune visionnaire, c'est pour tout Guinéen, tout Africain, et toute personne qui estime que je suis dans la même logique que elle. Donc, je n'ai pas demandé à qui que ce soit de s'abonner à ma page. C'est très important de souligner. Donc, que ce soit Malinke, Soussou, Peul, tout le monde a le droit de s'inscrire, de s'abonner sur la page jeune visionnaire. Et tout le monde aussi a le droit de se, de se désabonner de la page jeune visionnaire. Ce n'est pas un contrat qui me lie avec mes abonnés. Ce qui me lie avec mes abonnés, c'est la vérité. Alors, j'ai fait mon live hier concernant la sortie ratée de M. Tierno Monenembo, qui a touché peut-être beaucoup de personnes en Guinée ou beaucoup de mes abonnés. Euh, qui se sont mis à m'attaquer ou à m'insulter. Écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un qui s'inscrit dans cette logique-là. Vous devez comprendre que la page une visionnaire, plus le leader, M. Kanté, M. Fama Kanté, nous sommes faits à l'image, à l'image, si, si j'ose dire, nous sommes faites à l'image de l'UFDG, de l'ANAD et de M. Sérouda vous devez comprendre. Quand je dis nous sommes faits à l'image de M. Sérou Ndiallo, de son anad, je veux dire quoi Je veux dire que à l'image de l'anad ou à l'image de l'UFDG, on a vu pendant les élections, pendant cette bataille électorale, on a vu des mauvais et des personnes sans, décis, sans des personnes indécis, militants sympathisants ou pseudo militants sympathisants de ce parti. Partir. Il y en a qui partaient, il y en a qui revenaient. D'accord? On a vu des mauvais grains se débarrasser de l'UFDG, quitter l'UFDG, pensant qu'ils allaient trouver autre chose meilleure que ce qu'ils trouvaient à l'UFDG. Il y en a qui sont allés dans le camp adverse de, 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 du, du RPG Arc-en-Ciel. Il y en a qui sont allés à la Stoupe, comme M. Siloudalin lui-même disait. Donc, on a assisté au départ des mauvais grains. Et on a su la qualité. De, de ces personnes intègres qui se, qui se tenaient toujours aux côtés de l'UFDG, aux côtés de M. Céloudalangelo, et qui sont restés toujours dans le parti. C'est une métaphore. Je veux dire quoi Nous sommes dans une logique de dire la vérité et de sensibilisation et de dire si il y a des fausses déclarations ou des déclarations qui ne sont pas euh, réellement fondées ou des déclarations qui ne vont pas dans le sens... Euh, dans le sens du progrès, du développement, dans le sens de l'union et de l'harmonie de notre peuple, notre devoir, c'est de sortir et de rectifier la personne. Donc, s'il si y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas dans la même logique que moi, vous êtes tout simplement prié de vous désabonner. Parce que cette page, jeune visionnaire, c'est cette page, cette page, elle est impartiale. Ne pensez pas que. Je suis du côté de l'opposition. Que ce que je dis, ça fait de moi un militant sympathisant de l'UFDG. Loin de là. Je ne suis ni de près ni de loin militant de l'UFDG. Je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je suis dans ma bulle. Je suis dans ma logique. Je suis mon combat. Si. Vous estimez que vous êtes dans la même logique que moi, alors vous devez assumer. Chez moi, même mes propres parents savent que je suis quelqu'un qui tape. Même si c'est mon frère de sang qui déconne, je vais le taper. Parce que vous savez, pour la bonne conduite des choses, pour la bonne organisation de la société, il faut être juste au milieu. Le milieu, c'est très important. Même si c'est tes propres parents qui déconnent, et il faut tirer, il faut leur dire, il faut leur faire savoir qu'ils ont déconné. C'est très important. Alors, vous qui venez en me disant, M. Kanté, vous avez déconné hier, vous, avez, vous vous êtes attaqué à M. Thierno Monnenembo, vous devez comprendre que je ne me suis pas attaqué à M. Thierno Je me suis attaqué aux propos de M. Thierno Ça, c'est très clair. Et même si c'est M. Selouda Ndiallo, je l'ai même dit dans mon live d'hier, même si c'est M. Selouda Ndiallo. Qui fait des sorties pareilles, je vais m'opposer et je vais le taquer. Je vais l'attaquer férocement. Ça, je ne joue pas à cela. Je ne suis pas dans cette logique-là. Pour dire, oh non, c'est ça, non, 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 je ne suis pas dedans. Je ne suis ni militant, encore moins sympathisant de l'UFDG, encore moins ni militant ni sympathisant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Je suis dans mon propre parti politique. Et mon propre parti politique de la Guinée, c'est le travail, justice, solidarité, la devise de la Guinée. Ça, c'est mon parti politique. J'ai combattu Alpha Condé avec son régime parce que j'ai estimé qu'ils étaient dans le faux, ils étaient inscrits dans le faux. Et j'ai eu raison. Dans ce combat, il s'est avéré que le leader de l'UFDG et de l'ANAD menait le même combat. Alors nous conjuguons le même verbe. Et jusqu'à présent, nous conjuguons le même verbe. Vous devez comprendre cela. Cela ne fait pas de moi un militant sympathisant de l'UFDG. Comprenez cela. Et même si c'était M. Séloudal-Endialou qui était à la place d'Alpha Condé et qui avait tenté de faire un troisième mandat en chiffonnant nos lois, en marchant sur les cadavres en Guinée, en marginalisant le peuple de Guinée, je me serais catégoriquement opposé et je serais encore plus dur envers lui que je n'ai été avec Alpha Condé. Je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de président. Mon président, c'est celui qui fera le bonheur de la Guinée. Mon président, c'est celui qui amènera la, pa la paix au peuple de Guinée. Mon président, c'est celui qui va employer les jeunes Guinéens. Mon président, c'est celui qui va, c'est celui qui aura pitié du bas peuple de la, du bas peuple guinéen. Mon président, c'est celui qui va créer les conditions d'harmonie, de paix, de travail, de convivialité et de dignité pour le peuple de Guinée. C'est celui-là que moi j'appelle mon président. Comprenez très bien. Alors, ne pensez pas que je suis, je suis du côté des peuples, encore moins des Malinqués. Non, je suis du côté des Guinéens, des bons Guinéens, des Guinéens véridiques, des Guinéens logiques. Et je ramène encore quelque chose d'autre, euh, quelque chose de beaucoup plus exemplaire par rapport à l'égalité et à l'illégalité de M. Tierno Molenembo. Je vais simplement dire à mon vieux, parce qu'il faut qu'il comprenne. Je vais simplement le dire que quand il dit que l'acte est illégal, il doit comprendre que même le changement de monnaie de Sili à franc-guinéen, c'est aussi un acte, un acte égal, illégal. Parce que c'est M. En a Conté qui a changé la monnaie guinéenne. La monnaie guinéenne sous le régime d'Ahmed de, 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 de Sektouré, c'était le Sili. Et M. Lansana compté, après la mort d'Ahmed Sektouri en 84, dans les bandes de 84-85, il a changé la monnaie guinéenne. Alors, il n'avait pas le droit de le changer, parce qu'il n'était pas président de la République, si je m'en tiens à la logique de M. Thierno monenembo Alors, tout ce qui mange aujourd'hui, le franc guinéen, vous mangez l'illégalité, parce que c'est lui qui a changé cette monnaie de Sili à franc guinéen. C'était un chef illégal, si je m'en tiens à la logique de M. Thierno vous devez comprendre cela. Alors si je m'inscris dans la logique de M. Tierno-Monenambo, tous les travaux qui ont été faits au temps de l'ancien les routes qui ont été butumées, c'est des travaux illégaux. Évidemment, si je m'en tiens à la logique, alors c'était pour dire à mon vieux qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans sa sortie. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans sa sortie. Il faut que vous compreniez très bien. L'université qui porte le nom de Lansana Conté, Lansana Conté n'avait pas, pas le droit. Il n'avait pas le droit que cette université porte son nom. Des lieux qui ont été rébaptisés au temps de Lansana Conté, il n'avait pas le droit parce qu'il était illégal, si je m'en tiens à la logique de M. Tchernomonenembo. Évidemment. La création du multipartisme en Guinée, c'est M. Lansana Conté qui a instauré cela. Alors c'est un acte illégal. Lansana Conté n'avait pas le droit. Tous ceux qui se taguent aujourd'hui la poitrine pour dire « Nous sommes des partis politiques », c'est grâce à la vision de Lansana Conté. Parce que c'est lui qui a amené la création du multipartisme en Guinée. C'est lui qui a accepté. Alors c'était illégal. Alors tous les partis politiques là, aujourd'hui, c'est des partis politiques illégaux. Illégaux Le RP Arc-en-Ciel, tous les partis politiques que vous voyez aujourd'hui, ils ont été créés par la vision de quelqu'un qui a été illégal en chef illégal en la personne de Lansana Conté. Alors, toutes les, les, les élections qui ont été organisées au temps de Lansana Conté, c'était des élections illégales, parce que Lansana Conté lui-même n'avait pas le droit d'organiser des élections, vu qu'il était en chef illégal. Il n'était même pas président, si je maintiens à la logique de M. Tierno Monenembo. Vous devez comprendre que M. Dadis Kamara, qui a organisé, M. Sekouba Konate, qui a organisé les élections et qui a accouché n'est-ce pas? À l'élection la, à la, à la, à d'Alpha Condé, alors c'était une élection illégale. Parce que Sekouba Kounate n'était pas un chef, il n'était même pas un président. La constitution qui a été mise en place en 2010, c'était une constitution illégale. Si je m'en tiens à la logique de M. Tchernomonenembo, l'élection d'Alpha Condé était une élection illégale. Alpha Condé, euh, on ne dira, on, on dira même plus une victoire, parce que c'était une victoire illégale. Parce que celui qui a organisé cette élection, c'était un chef illégal. Il n'était même pas président. Il ne pouvait pas, il n'avait aucun droit. Si je mentiens à, c'est-à-dire à la sortie de M. Tierno C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Évidemment. Si je mentiens à M. Tierno en disant que l'acte est illégal et que le colonel Madi Doumbouya est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité pure. Mais écoutez. C'est Kouba Konate de, 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 de M. lansana Monsieur au colonel Mamadi Djumbouya aujourd'hui. La Guinée a connu combien d'années d'illégalité dans l'illégalité Oui. La Guinée, tout le progrès qui a été fait de M. lansana Comté jusqu'à aujourd'hui, ça c'est des progrès illégaux. On ne doit pas se fier à cela. Le changement de la monnaie, l'université lansana Comté. Tout ce qui a été rebaptisé, tout ce qui porte aujourd'hui les noms de trucs de personnalité en République de Guinée, qui a été fait au temps de Lansana Conté, ça ne mérite pas d'exister. Oui, ça ne mérite pas d'exister. Vous devez comprendre cela. Les enfants, vous qui venez de naître, vous devez comprendre que la première monnaie guinéenne s'appelait sili. C'était pas le franc guinéen. Et que c'est lui qui a changé cette monnaie, c'est Monsieur Lansana Conté, un chef illégal qui n'était même pas président. Alors, aucun guinéen ne doit consommer le franc guinéen. Tous ceux qui consomment, qui continuent de consommer le franc guinéen, parce que la monnaie, la monnaie quand même, c'est pour toute la République de Guinée. C'est pour tous les fils dignes de la Guinée. Est-ce que Lansana Comte a eu besoin de consulter quelqu'un pour changer la monnaie de Sili à franc guinéen Non. C'est une monnaie illégale que nous consommons aujourd'hui. Parce que ça a été le, pro, le produit d'un chef illégal qui n'était même pas président. Si je m'en tiens à la sortie de M. Thierno Monenembo, il faut que M. Thierno comprenne que <laughs> il faut qu'il comprenne que aujourd'hui, bien vrai que le colonel Oumadji Dumbuya, il n'a pas été euh, il n'a pas été élu à travers euh, une élection. Il faut qu'il comprenne aujourd'hui, c'est lui qui est. Le chef, le représentant de la Guinée. C'est lui qui est le garant de tous les pouvoirs de la République de Guinée. Quel pouvoir en tant qu'un chef illégal Dadis avait en dissolvant la constitution, l'Assemblée, le gouvernement après la mort de Lansana Conte? Quel pouvoir Dadis avait? Quel pouvoir Dadis avait et Sekouba avait en mettant en place une constitution à Ouaga? Quel pouvoir ils avaient S'ils si ils étaient des chefs illégaux, quel pouvoir ils avaient C'était une constitution illégale. Alors, mais malgré l'illégalité de cette constitution, tous les savants, tous les maîtres à penser de la République de Guinée, ils ont accepté d'aller aux élections sur cette constitution illégale. Bien évidemment. Alors, si je m'en tiens au propos de M. Thierry Monenembo, <laughs> Quand Alpha Condé dit alors que la constitution de 2010 était une constitution illégale. Parce que là, si il faut aller au fond même du problème. Quand Alpha Condé lui-même dit que la constitution de 2010 était une constitution illégale. Et que les, les militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel clament haut et fort que la constitution méritait d'être changée parce que c'était une constitution illégale. Dans la même logique que M. Tchernomombo. Je vous dis tout simplement, mais vous oubliez que Alpha Condé lui-même est issu de cette constitution illégale. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est né, qu'un enfant qui est issu euh, d'une relation hors mariage devient un enfant hein, euh, euh, légal, devient un enfant euh, issu, euh, comment je peux même traiter ça, devient un enfant normal, un enfant légitime. L'enfant qui est issu d'un mariage, c'est-à-dire l'enfant qui est issu euh, d'une relation hors mariage, ne sera jamais un enfant légitime jusqu'à sa mort. Vous êtes d'accord avec moi Oui, il sera toujours appelé bâtard. Évidemment, il ne sera, il sera jamais légitime. Alpha Condé est l'enfant qui est issu du mariage, d'une relation hors mariage. Le pouvoir d'Alpha Condé est, est issu de cette relation hors mariage. Alors Alpha Condé est un enfant illégitime. Quand je dis illégitime, je ne parle pas des enfants bio, des, des, des parents biologiques d'Alpha Condé, mais je parle de son élection et de son pouvoir. Donc, Alpha Condé était dans l'illégitimité pure parce que lui-même est un enfant illégitime, est un président illégitime. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui est illégitime puisse organiser quelque chose de légitime ou de légal Alpha Condé lui-même est un président illégitime, illégal. Il n'était même pas un président. Parce que si je m'en tiens à la logique de M. Thierno Moneenembo, Alpha Condé n'était même pas un chef. Parce qu'il est issu d'une constitution illégale mise en place par un chef illégal. Donc un acte illégal. Et c'est pourquoi Alpha Condé souffrait. Parce que tout simplement, il est illégitime. Il est un enfant illégitime. Alors comment voulez-vous qu'un enfant bâtard puisse faire... Euh, 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 puisse faire quelque chose ou puisse se battre afin d'être un enfant légitime. C'est impossible. Tu es né déjà bâtard. Quoi que tu fasses, tu resteras bâtard jusqu'à ta mort. Ça, on ne peut rien changer. Et Alpha Condé, en, 2000, en 2020, il a voulu changer la constitution parce que pour lui, la constitution qui était là était une constitution illégitime. C'était pas la voix du peuple. Mais en ignorant que lui-même, il est issu de cette constitution illégitime. Donc, lui-même, il est illégitime. Alors, comment voulez-vous qu'Alpha Condé puisse mettre une constitution légitime, issue de l'illégitimité C'est impossible. Si je m'en tiens à la sortie de M. Thierno Monenembo. Bien évidemment. La nomenclature guinéenne a été changée après la mort d'Ahmed Sektouré. L'Ancien compté a changé la nomenclature guinéenne. N'est-ce pas Pourtant, il n'était pas président, si je m'en tiens au, au propos de M. Euh, Tierno Monenembo. Je veux dire à M. Tierno Monenembo qu'il faut qu'il s'adapte à l'évolution de la réalité. C'est très important. Il faut qu'on part avec. Est-ce qu'il faut aujourd'hui renvoyer la monnaie, le franc guinéen, pour dire non Lansana Conte n'était même pas... Il était dans l'illégalité pure. Il ne pouvait pas changer la monnaie. Non, ce n'était pas à lui de changer. Parce que a compté. Du début de son pouvoir jusqu'à sa mort, il était dans l'illégalité pure et simple, si je m'en tiens aux propos de M. Tierno Monenembo. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour amener l'égalité en Guinée? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, à partir du moment où la constitution guinéenne, les lois, la nomenclature guinéenne n'a pas été respectée. De 1958 jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut dire que la Guinée, depuis sa création jusqu'à maintenant, a évolué dans l'illégalité pure et simple. Est-ce que nous pourrons envoyer maintenant quelque chose de légal? Monsieur Tiarno Monenembo, je vous repose la question. Qui est censé légaliser les lois guinéennes? Qui est censé amener l'égalité en Guinée? Vu que tous ceux qui viendront seront issus de cette illégalité. Ahmed Sektouré n'a pas respecté la constitution guinéenne parce que s'il avait respecté, il aurait organisé les élections, peut-être après cinq ans, de, de son, de, après le premier mandat et son deuxième mandat. Mais nous sommes restés dans cette illégalité. Et donc, tous les chefs qui se sont succédés à la tête de la Guinée après la mort d'Ahmed Sektouré jusqu'à aujourd'hui, c'est des chefs illégaux ils ne sont pas légitimes. Même le colonel m'a dit, alors dans, cette, dans la logique de Tierno Monenembo, tous ces chefs-là sont illégaux. Alors ils ne peuvent pas organiser une élection pour que quelqu'un d'autre revienne légitimement à la tête de l'État. Parce que c'est lui qui va organiser les, les élections. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le droit, parce que lui-même il est illégal. Alors le colonel m'a dit, là je tire vos oreilles pour que vous entendiez. Parce que c'est que M. Tierno Monenembo vient de dire, il y a des intellectuels guinéens qui sont prêts à dire la même chose demain pour dire le colonel n'avait aucune légitimité d'organiser les élections, il n'avait aucune légitimité d'écrire de, 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 une constitution, il n'avait aucune légitimité de faire ceci, de faire cela. Alors le président qui est là, il doit il a maintenant la légitimité parce qu'il est issu des urnes. Alors c'est là que nous commettons des erreurs irréparables. Parce que c'est lui qu'on va appeler demain. Monsieur Selou Diallo qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Sidiatouri, qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Lansana Kouyaté qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. Monsieur Ousmane Kaba, qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Baouri, qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. L'heure démocratiquement élu sera issu de la vision, de la compétence de celui qui est illégal, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors ils ne seront pas des présidents démocratiquement élus. Ils ne seront pas des présidents légitimes. Ils seront tout simplement des bâtards. Des enfants issus d'une relation hors mariage, une, une relation illégitime. Quand je dis des enfants bâtards, je n'insulte pas. Je fais, c'est juste une métaphore. C'est pour dire que leur pouvoir est un pouvoir illégitime. Et si on appelle le peuple de Guinée à aller voter, le peuple de Guinée va voter illégalement. On va aller mettre les, 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 les bulletins de vote dans les urnes illégalement. Monsieur Thierno Monenembo, vous devez réparer ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on ne peut plus réparer. Le mal est déjà fait. C'est pourquoi je vous dis, il faut composer avec la réalité, mon vieux. Je ne vous insulte pas, je ne vous attaque pas. Mais je voudrais que vous composiez avec la réalité. Parce que la Guinée a raté cela depuis le début. Depuis le régime Ahmed Sectouré. Alors, est-ce qu'il faut réveiller, est ce qu'il faut renvoyer le temps Est-ce qu'il faut renvoyer la Guinée en 1958 et pousser Ahmed Sectouré à respecter les lois guinéennes pour que la Guinée évolue dans la légitimité, dans la légalité? On ne peut plus faire cela. Aucun être humain n'a le pouvoir de renvoyer le temps, le, de renvoyer le passé. C'est pourquoi je vous dis, M. Tchiernomonenbo, vous devez vous inscrire dans la logique de la réalité. On ne, peut plus, on ne peut absolument rien faire par rapport à cela, mon vieux. Oui, on ne peut absolument rien faire pour changer. Parce que vous-même, le passeport que vous détenez, je pense que ce n'est pas le passeport qu'Amer Sektouré a, a mis en place en Guinée. Hein? La carte d'identité que vous détenez aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la carte d'identité qu'Amer Sektouré avait de 1958 à 1984. Tout a été changé par l'ensemble à compter. Alors vous, vous voyagez avec un document illégal vous vous promenez à Conakry, un peu partout à l'intérieur du pays, avec un document illégal issu d'un chef illégal. <laughs> vous voyez Alors, s'il faut parler de l'illégalité, de l'illégalité, de l'illégalité, de tout ça, on va revenir <laughs> dans, une, dans une démarche beaucoup plus euh, enfantin, quoi. Donc, monsieur, monsieur il faudrait que vous vous inscrivez dans la logique d'aujourd'hui pour qu'on avance. Oui, parce que moi, je dirais tout simplement au colonel, parce que si M. Thierno Monenembo continue de faire des sorties pareilles et que des intellectuels ou des fils dignes de la Guinée le croient, c'est-à-dire, moi, moi, je pourrais dire au colonel, Monsieur le colonel, Mamadi Doumbouya, ça ne sert à rien que vous organisez les élections. Parce que tout simplement, l'élection que vous allez organiser, c'est une élection illégale. Parce que vous-même, vous êtes un chef illégal. Vous êtes dans l'illégalité pure. Alors, comment voulez-vous que vous, qui êtes un chef illégal, vous puissiez organiser quelque chose de, de légal C'est impossible la constitution que vous allez écrire, c'est une constitution illégale. Parce que vous-même, vous, vous avez un pouvoir illégal. C'est ça. Vous avez délogé quelqu'un illégal, Alpha Condé, qui est lui-même venu illégalement. Parce qu'il est le fruit de l'illégalité de Sekouba Kounate de Dadis Kamara. Que eux aussi, ils sont dans l'illégalité. Ils, ils sont issus de l'illégalité de Dansan Akonté. Dansan lui-même est issu de l'illégalité de Ahmed Sektouri. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer la Guinée dans l'égalité Juridiquement, qu'est-ce qu'il faut faire <laughs> il faut être intelligent pour comprendre ces choses-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au temps de Lansana Conté. Alors, vouloir appeler Lansana Conté un chef illégal, et Dadis Kamara un chef illégal, c'est que qu'on un chef illégal. Alpha Condé un chef illégal. Euh, Colonel Mamadou Doumbouya, un chef illégal. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est dans l'illégalité pure. Alors, comment il faut faire maintenant Moi, je pose la question aux savants, aux très, très savants démocrates. Oui, à l'homme... Constitutionnel, le repère de toute une jeunesse, monenimbo, de faire des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour emmener la Guinée dans l'illégalité Dans l'égalité, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chefs qui vont se succéder maintenant à la tête de notre République deviennent des chefs légaux Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que, on ne peut pas dissoudre toute l'administration guinéenne de la présidence. Jusqu'au planton. Sous-préfet, préfet, tout. Tout ce qui est administration guinéenne, on dissout tout. Tout. La justice, on dissout tout. L'assemblée, on dissout tout. C'est-à-dire que la Guinée est sans chef. La Guinée devient un enfant, un nouveau enfant, un nouveau enfant, c'est-à-dire un nouveau né. Il n'y a pas de chef à la tête, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on annule tout. Préfet, sous-préfet, on chasse tout. Les militaires, l'armée, la police, on chasse tout, on change tout, on laisse tout. On dit, OK, à partir d'aujourd'hui, la Guinée est devenue un nouveau-né. Il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. On reste vulnérable. Pendant 90 jours, ou pendant euh, euh, un mois, ou pendant euh, telle chose, maintenant, on dit, il faut appeler les Guinéens à voter. C'est-à-dire, on devient neutre. Mais qui va organiser ce vote? Oui, qui va organiser cela Parce qu'il va falloir désigner. Qui va désigner qui Pour amener la Guinée dans la légalité. Qui Qui va désigner qui C'est un travail qui est impossible. Impossible. On ne peut pas le faire. Donc, mon vieux, s'il vous plaît, il faut composer avec. Et on doit, on doit accepter. C'est notre destin. On ne peut, on ne peut rien changer. Ce qui a été fait, a été fait, c'est le passé. Est-ce qu'il faut que on reste sur ce passé, ne pas avancer Non. Nous devons avancer. Partagez le live au maximum. Nous devons avancer. Donc votre logique ne tient pas. Et, tous et toutes ces personnes qui sont venues dans mon inbox m'insulter, vous devez comprendre que euh, moi, j'ai reçu des injures plus graves que ça. Parce que vous, vous écrivez pour m'envoyer. Il y a des militants sympathisants du RPG. Parce que je tapais fort sur eux sur leur, leur demi-dieu, ils faisaient des odieux, insultaient ma mère et mon père, mais des indures, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, vous vous faites des écrits, mais eux, ils m'insultaient, ils rentraient même dans, 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 dans l'intimité de mes parents. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Oui, parce que mes parents, ce sont des Guinéens alors quelqu'un qui, qui insulte un parent guinéen il insulte son père il insulte sa mère c'est ce qui est dans c'est ce qui est ma logique dans ma tête donc ça ne change absolument rien et ceux qui sont pas d'accord avec moi je ne force personne à rester sur ma page vous pouvez aller je sais qu'il y a des bons grains qui vont rester. Comme les mauvais grains sont partis, ils ont, ils ont laissé l'UFDG, ils sont partis. Les bons grains sont restés. Et ces mauvais grains, aujourd'hui, ils tentent de réintégrer le parti de l'UFDG. Je sais que vous allez vous désabonner sur cette page. Mais vous allez encore revenir. Parce que ce que vous entendez ici, vous n'entendrez nulle part. Aucun blogueur guinéen ne va parler, ne va dire ce que je suis en train de dire. Aucun blogueur guinéen. Je dis bien aucun. Vous allez revenir. Ça, c'est sûr et net. Mais vous, vous vous oubliez, pendant que vous vous désabonnez, il y a encore d'autres qui viennent. Chaque jour, que, chaque jour que Dieu fait, il y a des abonnés. Chaque jour que Dieu fait, il y a des abonnés. Et ce qui est comique dans l'affaire, c'est que j'ai des frères malinqués, euh, issus de ethnies qui sont <laughs> venus dans mon live d'hier et disent, non, M. Kanté, sincèrement, il y a... Moi, moi je ne vous suivais pas. Je ne vous suivais pas. Mais là, sincèrement, j'ai compris que vous, dites, vous êtes quelqu'un qui est véridique. Je dis, ah, donc... Il a suffi que je tape M. Tierno Molenembo pour que vous vous rendiez compte que moi je dis la vérité. Alors vous n'avez pas le droit d'exister sur ma page. Alors c'est le sarcasme. Vous devez comprendre que c'est comme ça. Parce qu'ils estiment que je défends les peuples en Guinée. Et comme maintenant, quelqu'un, un Guinéen qui a fait une sortie, issu de la communauté Peul, je suis sorti, je l'ai contredit, je suis sorti, je l'ai tapé fort. Maintenant, eux, ils viennent en me disant Ah, vous dites la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie pure. Donc, votre plaisir, c'est que je dois taper, je dois, je dois, vous pensez que je suis Peul? Vous pensez que je défendais le Peul? C'est pathétique. Je m'en fous de ça. Qu'on soit Peul, qu'on soit malinqué, qu'on soit Soussou, quand vous faites, vous faites des déclarations sans sens, sans fondement, vous faites des déclarations, vous dérapez, moi, je vais vous taper fort. Je vais vous taper objectivement. Je ne vais pas vous taper parce que j'ai envie de vous taper, mais je vais envoyer des preuves. Comme j'ai envoyé des preuves là à M. Tierno Monenembo, je pense que le vieux, en visionnant cette vidéo, il va se dire Oh mon petit-fils ou bien mon fils, je n'ai pas pensé à cela. Donc ça n'a rien à voir avec les Peuls. Parce que parmi les Peuls, il y en a qui ont compris. Il y a des Malinqués qui ont applaudi M. Tierno Monenembo. Parmi les Malinqués, il y en a qui ont compris qu'il a dérapé. Donc mon combat, ce n'est pas un combat Peul, ce n'est pas un combat sous sou, ce n'est pas un combat malinqué. C'est un combat pour la bonne administration guinéenne. C'est tout. Et mon parti, c'est le travail justice-solidarité. C'est tout. Voilà. Je pense que vous avez compris cette petite parenthèse. Partagez le live au maximum. 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 Parce que vous savez, M. Kanté, quand il parle, il commence à parler. Il faut que je freine souvent. Parce que quand je commence, l'inspiration, ça vient. Et l'épreuve, ça descend comme ça, naturellement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend le bic qui, pr qui prépare ses lives. Non, non. J'ai le thème, je sais déjà parce que je suis guinéen, je connais la réalité de mon pays. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, on y va. Je pense que mon vieux, M. Mounenembo, avec tout le respect que nous avons pour lui, je pense qu'il a déjà compris. On ne peut, on ne peut absolument rien faire maintenant pour que les chefs soient légaux en Guinée. Il faut composer avec, il faut qu'on avance. Ok? Aujourd'hui, nous, notre objectif premier, c'est, ok, de passer une très belle transition, euh, d'organiser les élections et euh, d'aller voter et voilà, d'avoir un chef encore illégal. Mais on, on compose avec quoi? Nous avons besoin du beau travail et puis on y va, quoi. Je sais que M. Tchernomounenembo, il va pas me, il va pas, il va pas trop m'en vouloir. Il va comprendre que ce que je suis en train de dire aussi, c'est de la logique. Euh, voilà, je pense aussi qu'il qu va pas opposer à l'organisation des élections et que demain ou après-demain, il va pas appeler M. Sirudalén Diallo. Vous êtes issu euh, d'une constitution illégale euh, qui a été mise en place par un chef lui-même illégal. Donc je pense qu'il ne va pas appeler demain M. De Sirudalén Diallo comme ça parce que c'est notre futur président de la République de Guinée. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est déjà tracé. Et voilà. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Je pense que mon vieux m'a compris. Voilà, je ne veux pas d'amalgame. Écoutez, si j'ai touché quelqu'un, je m'excuse sincèrement. Ce n'est pas, pas mon intention première. Je suis juste là pour faire ce travail. Et vous savez, quand on est homme public, qu'on est regardé par des millions de personnes ou des milliers de personnes, il faut franchement... Euh, euh, beaucoup lire, se renseigner et demander les juristes, euh, demander les avocats, euh, avoir les, les oreilles tendues de gauche à droite pour être dans la logique, c'est ce qui est très important et c'est ce que je fais aujourd'hui euh, sur ma page jeune visionnaire et donc euh, abonnez-vous massivement sur cette page parce que cette page là, il y a pas malinke il y a pas Soussou, il y a pas Peul. Cette page, c'est une page guinéenne, c'est à partir à tous les Guinéens, à tous les Guinéens qui veulent entendre la vérité, la logique. Je ne dis pas tout ce que je dis que ça soit de la vérité, mais je ferai un effort de dire la vérité. C'est-à-dire la vérité qui, qui reflète la réalité guinéenne. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité de mon peuple, c'est quoi? C'est de relater exactement les réalités de mon peuple. Hein? Hein? Dire exactement la manière dont les choses se passent en Guinée, c'est ce qui constitue ma vérité du peuple. Et c'est ce que je fais matin, midi, soir, mesdames et messieurs. Vous partagez au maximum la vidéo. Mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles pour soutenir votre propre page. La page Jeune Vigneur Visionnaire, c'est pour vous. C'est vous qui l'avez créée. Vous avez fait de moi ce que vous voulez, ce que je suis aujourd'hui. Donc soutenez cette page-là, c'est pour vous. Justement ça, les étoiles sont là. Mettez les étoiles, beaucoup d'étoiles, beaucoup d'étoiles pour soutenir cette page. Alors mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais prendre au moins deux gorgées. Je suis dans ma nature, dans mon élément en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons vu euh, hier euh, et avant-hier le général Sekouba Konate. C'est lui qu'on appelait autrefois El Tigre, qui est finalement devenu le chat rentrer en Guinée sous la permission de la haute autorité guinéenne à la tête de colonel Mamadi Doumbouya le président de la République de Guinée le chef suprême de la nation commandant en chef des forces armées le président de la transition le président plus que démocratiquement élu en République de Guinée alors je rigole un peu parce qu'ils vous diront, ah, mais il est toujours en train de, 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 de lancer des flèches à, 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 à l'endroit de M. Tchernomonenembo. Non, non. <laughs> C'est juste la, la réalité, il faut composer avec. M. Sekouba Konate, ancien président de la transition. M. Dadis Kamara, ancien président de la transition. Ils ont la permission de rentrer. Sekouba Konate est rentré par la voie terrestre. quand, il est allé dans son village. Bien évidemment. Il a reçu les honneurs en tant qu'ancien chef de la part de l'autorité compétente. Et je pense que ce serait la même chose aussi pour M. Dadis Kamara. Alors, Sekouba, plus Dadis, plus Toumba, plus Keboro, plus tous les autres éléments, euh, tous les autres acteurs du 28 septembre 2009, dans notre petite Guinée. Alors, je pose évidemment la question de savoir, est-ce que... Il y a un élément euh, craintif. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose Est-ce que le CNRD doit craindre quelque chose Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit craindre quelque chose Est-ce que le peuple de Guinée doit craindre quelque chose Sekouba, en tant qu'ancien président. Euh, Dadis Kamara, en tant qu'ancien président. Alpha Condé, en tant qu'ancien président. Toumba Djakite, pas ancien président, mais voilà, vous connaissez son histoire tous en République de Guinée, avec les autres acteurs du 28 septembre, tous en République de Guinée. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose pour le colonel, pour le CNRD, pour l'armée, pour la bonne continuité de la transition Je pense que non. Bien vrai que Sekouba Konate a ses petits dans l'armée guinéenne. Bien vrai que Dadis Kamara a ses petits dans l'armée guinéenne. Bien vrai que Toumba Djakite a ses petits dans l'armée guinéenne, bien vrai que les autres acteurs du 28 septembre ont leurs petits dans l'armée guinéenne, je pense que ne faut pas craindre. Le colonel ne craint pas. Je pense qu'il n'y a pas d'élément craintif. Je pense que euh, la manière dont Dokan interprète, ça ne sera pas comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya, il s'est longuement entretenu, certainement, parce que ça ne peut pas venir comme ça. Il s'est longuement entretenu certainement avec le général Sekouba Konate au téléphone avant, avant d'accepter euh, euh, son retour au Berkaï. Malgré qu'une lettre officielle a été adressée à l'autorité compétente, mais je crois qu'il y a eu coup de fil. Sincèrement, pour tous les hommes intelligents, vous allez euh, dire oui, Monsieur Kanté, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Il y a eu coup de fil entre Sekouba Konate et le colonel Nomadi Djumbuya. Il a fallu que Sekouba rassure le colonel qu'il ne va pas rentrer dans une quelconque malversation pour atteindre à l'intégrité physique ou à l'intégrité morale même de notre autorité, de notre pays. Je pense qu'ils ont fait de même avec M. Dadis Kamara. Je pense qu'ils ils, ils retournent là au pays, au Berkaï, dans un cadre très bien précis. Alors, peuple de Guinée, ne craignez absolument rien. Rien ne va se passer. Le général Sekouba Konate, il restera conforme aux lois guinéennes. Il restera conforme au CNRD. Il restera, il restera conforme à l'armée guinéenne. Et Monsieur Dadis Kamara aussi. À son retour, il restera, il restera aussi conforme au CNRD. Il va respecter les lois du CNRD. Il va respecter l'armée guinéenne. Il ne va pas tenter quoi que ce soit à l'armée guinéenne et au CNRD. Donc, n'ayez pas peur. Parce que je vois déjà des gens en train de raconter n'importe quoi. Oh, le, le général Sekouba Konate, il est rentré. Oh non, on connaît un peu son esprit. Dadis Kamara aussi va revenir. Il sera comme ça, il sera comme ça. Non. Ces gens-là ne s'inscrivent pas dans cette logique. Sekouba ne s'inscrit pas dans cette logique. Dadis Kamara ne s'inscrit pas dans cette logique. Ils ont été, c'est comment j'appelle, des prisonniers politiques. Parce que... Maintenir quelqu'un hors de son pays, qui a envie de rentrer dans son pays, maintenir le là, qui n'a pas la possibilité de voir les siens, qui n'a pas la possibilité de voir ses amis, ses relations, ses parents, ses enfants, sa grande famille, moi je pense que c'est une sorte de prison. Bien évidemment, les gars comme Sekouba Konate, les gars comme Dadis Kamara, ils n'ont absolument rien à foutre à l'étranger. Oui? Ils ne mènent pas une vie ici à l'extérieur. Eux, ils veulent rentrer chez eux, vivre tranquillement comme les autres. Sauf que, sauf il que, y a un dossier qui les attend. Et il faudra désormais répondre. Il faudra répondre à la demande du CNRD. D'accord il faudra, il faudra répondre à la demande du CNRD. Si le CNRD a besoin d'eux, pour aller répondre. D'accord À l'appel de la juridiction guinéenne, aller devant les tribunaux, aller se défendre par rapport au dossier du 28 septembre, il faudra répondre. C'est ça. C'est ce dossier-là qui les attend. Sekouba est très bien conscient de cela. Dadis est très bien conscient de cela. Toumba Djakité est très bien conscient de cela. Alpha Condé est là. Moi je dis d'ailleurs, Dieu merci. Sekouba est vivant. Dadis est vivant. Toumba Djakité est vivant. Kebro est vivant. Alpha Condé est vivant. Tous les éléments pivots de cet événement du 28 septembre 2020, eh 2009 sont vivants. Donc, on peut organiser rapidement euh, euh, rapidement et efficacement ce procès. Ça nous fait plaisir de voir Sekouba Konaté, de voir un ancien président, même s'il était juste là pour la transition. Ça nous fait plaisir de voir un ancien président, Dadis Kamara, même s'il était là pour, le, pour, la, pour la transition. Ça nous fait aussi plaisir de voir un ancien président, Alpha Condé, même s'il si a été un mauvais président. Un très mauvais d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de voir ces anciens-là. De venir répondre de leurs actes. Donc, mesdames et messieurs, ne craignez absolument en rien. D'accord? Ne craignez absolument en rien. Rien ne va se passer. Ces gens, ils respectent le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez entendu le discours de Sekouba Kourate lui-même. Il dit que c'est grâce au colonel Mamadi Doumbouya qu'il est aujourd'hui en Guinée. Il dit qu'il se reconnaissant jusqu'à ses derniers jours au colonel. Parce que c'est le colonel qui lui a permis de rentrer. Le colonel pouvait refuser en disant non, il ne vient pas. Il pouvait refuser en disant Adadis Kamara, tu ne viens pas. Mais il dit c'est des Guinéens. Ce sont mes aînés. Ce sont des frères. Ils ont quand même été des hommes importants à un moment donné de l'histoire de notre République. Parce que. Euh, si Dadis Kamara et Sekouba Konate n'étaient pas venus en 2010, tous les Guinéens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer Peut-être on aurait, on, aurait, on aurait assisté encore à l'arrivée de quelqu'un d'autre. Mais Dieu sait faire les choses. Il les a envoyés. Ils sont venus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et nous sommes là aujourd'hui. Donc, ce sont ces aînés. Il les a permis de rentrer en Guinée. Et je pense qu'ils vont respecter le colonel ils vont le respecter c'est Koba lui-même il dit que tous les guinéens euh, doivent rester derrière le colonel Mamadi Doumbouya, qu'on doit bénir pour lui et lui-même Sekouba Konaté a fait des bénédictions pour le colonel à Kankan euh, naturellement dans son village aussi et je pense que Dadis fera de même et Sekouba Konaté après la visite euh, de ses parents dans son village natal euh, non dans son village même effectivement même si c'est pas même s'il n'est pas né là mais le village de ses de ses parents euh, d'où il, il, il provient effectivement il va rentrer en, à conakry il va aller saluer le colonel Mamadi Doumbouya, il va le remercier Dadis fera de même aussi après on verra bien comment il faut organiser les choses parce que Toumba Djakite est en prison comment il, il, faut, il, il faut le faire sortir de là même si c est, c est, ça sera compliqué et voilà mais il faut le quand même le sortir là parce que jusqu'à présent il est c'est imprésumé. jusqu'à présent il a la présomption d'innocence d'accord Djakite n'est pas coupable d'accord je peux me permettre de le dire il n'est pas coupable jusqu'à preuve contraire. Et c'est un homme, c'est un guinéen, c'est un frère, ok, c'est un cousin, c'est un neveu, qui est injustement détenu à la maison centrale. On doit le dire haut et fort. Tomba Djakite est injustement détenu à la maison centrale. Parce que jusqu'à, jusqu'au jusqu jour de jugement, jusqu'à ce qu'il soit coupable et condamné par rapport à un fait, Tomba Djakite, il a la présomption d'innocence. Il est, et normalement, il doit être au même pied, au même pied d'égalité que les Sekouba Konate, que les Dadis Kamara. Il doit être dehors, libre. Jusqu'au jour du jugement. Mais vu qu'Alpha Alpha Condé ne pouvait pas le laisser libre, c'est pourquoi il l'a mis en prison. C'est justement cela. Donc euh, voilà, le colonel Mamadou Dioumbouya, il a déjà les dossiers. Mesdames et messieurs, c'était justement ce petit live que j'avais à, à faire. Ne craignez absolument rien. Nous sommes dans la bonne direction. Nous avons un président euh, euh, démocratiquement élu à la tête de la, de la République de Guinée que tout le Guinéen aime et que tous les Guinéens ont voté pour lui. Tous les glimans, tous les Guinéens l'ont applaudi. Euh, voilà il est en train de bien faire les choses nous sommes dans la bonne direction nous sommes dans de bonnes mains voilà c'est le, le créateur lui-même qui nous a envoyé et il estime il sait déjà que c'était le bon c'était la bonne personne qu'il faut envoyer c'est pourquoi il l'a envoyé donc euh, nous qui croyons vous qui croyez vous qui êtes musulmans vous qui êtes chrétiens vous qui croyez que c'est Dieu qui a envoyé le colonel je pense qu'il faut respecter cette décision et voilà il faut l'aider à accomplir cette mission cette tâche cette grande tâche pour que nous sortions maintenant euh, dans 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 cette affaire de transition euh, de crise politique de crise économique euh, qu'on a maintenant devant donc sur ce je vous dis bonsoir je vous aime alors si j'ai eu à offenser quelqu'un euh, à la sensibilité de quelqu'un si j'ai eu euh, voilà tenir des propos euh, voilà qui n'a pas plu à quelqu'un ou qui s'est senti blessé je présente mes sincères excuses avec les deux mains euh, au dos voilà si vous voulez même je peux me mettre au genou à genoux du moins je suis l'esclave du peuple vous savez quand on est on public, quand on est responsable, quand on est suivi par des millions de personnes, qu'on est écouté par des millions de personnes, voilà, vous, vous devenez tout simplement un esclave. Et moi, aujourd'hui, je, euh, je suis un esclave devant vous euh, à, à la dimension du colonel Mamadi Dumbuya, qui est aussi le premier esclave de toute la République de Guinée, parce que c'est le premier, normalement, à se réveiller et c'est le dernier aussi à se coucher. N'est-ce pas? C'est le premier responsable de la Guinée, c'est le premier esclave, le premier très grand esclave aussi de notre République. Donc nous, nous sommes dans cette logique, nous qui faisons ce travail de sensibilisation, ce travail de création d'harmonie et de paix, nous sommes des esclaves à commencer par moi-même. Donc excusez-moi sincèrement, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, si j'ai eu à blesser quelqu'un à travers mes propos, ce n'est pas mes intentions. Mais voilà, des fois euh, il faut remettre les choses dans leur contexte et avancer quoi. Donc merci beaucoup, je vous aime, bisous, bye bye, à demain inchallah, que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup.